quel monde on vit? Et vous avez bien raison de dire ça. Dans quel monde on vit? Hier, en fait, quand j'ai mis ce message, c'est parce que je voulais pas agir à chaud et anticiper aussi et faire le nécessaire de notre côté. On roule, notification sur le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Du coup, on se rend compte de où on a laissé notre voiture au cours de ces derniers jours. Évidemment que on demande aux personnes de chaque quartier, est-ce que vous connaissez, ce que vous avez entendu, est-ce que machin, parce qu'on a découvert quelque chose sur notre voiture. Il s'est avéré qu'il y a toujours quand même des personnes qui sont bienveillantes, en tout cas qui au moins tombent au bon moment et qui font le nécessaire et qui arrivent à filmer les personnes entre guillemets malveillantes et qui nous veulent du mal, même si on ne voit pas vraiment leur visage, mais voilà, c'est des silhouettes. On voit quand même une silhouette venir scotcher avec du scotch. Et je vous assure que quand on a reçu la notification avec nos gars, on roulait. On était en train de rouler. Et en plus, en ce moment, on visite beaucoup nos familles. Donc, c'est des endroits où, voilà, on veut garder sa limite secret. On n'a pas envie qu'on sache ce qu'on fait. Et c'est hyper précis. C'est hyper précis sur le téléphone. Ça veut dire que tu vois exactement où je me déplace, minute par minute. Et je dis, attends. On nous a mis une balise, on nous a mis quelque chose. En même temps, si c'est un AirTag, là, ça se pose. Ça ne peut pas se mettre sous une voiture. Notre voiture, à l'intérieur, elle est fermée. Puis, il y a l'alarme, etc. Et j'ai dit, imagine, non, on nous a scotché ça. Oh, je vous raconte même pas comment j'ai serré en fait. J'ai halluciné le morceau de scotch, 2 tonnes de scotch en plus, collé sous notre voiture. Mais je vous ai dit, il n'y a plus de limite. Imaginez, je suis avec mes enfants, on rentre à la maison et j'ai 2 voitures qui me suivent derrière pour me faire je ne sais quoi. Alors que moi, je suis là pour venir voir ma famille et qu'en famille en plus, que je fais rien de mal, que je me ressource au contraire et te dire qu'on sait exactement où tu es. Où tu vas dormir. Heureusement que je change d'endroit tout le temps parce que je fais attention et que j'ai confiance en personne. Tu te dis, je suis discrète, je regarde toujours derrière moi, je fais attention, je mets mes stories en décalé. Et vous voyez, quand vous me dites, Cam, pourquoi tu ne les mets pas en direct? C'est chiant d'avoir une story 2 heures après. Mais je ne peux pas, vous imaginez? Tu mets une story en direct comme ça? On sait où tu es, où tu te trouves, machin, on veut venir te faire te causer du tort. Tu ne peux pas, tu es obligé de te protéger. Donc moi, je me dis, je fais en sorte de pour protéger mes enfants, mon mari, me protéger, protéger ma famille, etc. Mais en vrai, il y a des gens, ils savent exactement où tu te situes, avec leur téléphone ou leur appli ou peu importe. Ils se disent, ben voilà, elle, je l'ai tracée, j'attends juste le bon moment, ou lui, j'attends de voir qu'il se cale à tel ou tel endroit, un truc un peu isolé, et j'y vais. Vous vous rendez compte? Et vraiment, c'est de la prévention. Faites bien attention à vous. Si vous avez une voiture qui est un petit peu, voilà, un petit peu jolie, un petit peu machin, faites vérifier. Vérifiez vos roues, vérifiez votre carrosserie, vérifiez tout, parce que les gens n'ont plus de limites. Vraiment, ils n'ont plus de limites. Alors là, je pense qu'on a eu aussi de la chance avec nous, il y a le bon Dieu qui est avec nous, et que du coup, on a tout remis à la police. Il y a des vidéos, donc même si on ne voit pas un visage, mais c'est des vidéos qui vont nous servir. Il y a des empreintes, c'était bourré d'empreintes, comme vous avez vu d'ailleurs sur ma vidéo. Donc au final, voilà, et puis on sait de quel quartier c'était, donc on laisse la police faire son taf. Mais comment voulez-vous que je ne sois pas parano? Moi, je ne vous ai pas parlé de tous mes traits de caractère, mais j'ai développé de la paranoïa depuis ces dernières années. Mais du coup, je le suis encore plus. Je ne peux pas ne pas l'être, parce que tu te dis que tu n'es jamais sereine d'esprit, où que tu sois. Vous voyez, quand je vous disais qu'au Canada, j'étais sereine d'esprit, parce que là-bas, je me sentais tellement bien. C'était tellement une vibe cool. Et tu reviens ici, même pas une semaine, et on te trace, et on te suit. Et tu ne sais pas ce qu'on veut te faire. Et tu es maman de 2 enfants, et tu passes ta vie chez ta mère, ta grand-mère, ta famille, ta belle-famille. Donc tu peux mettre en danger même des gens qui n'ont rien à voir. Oh, non, oh, c'est pas normal. Cela dit, c'est une leçon encore une fois pour moi, dans le sens où toujours redoubler de vigilance et ne jamais se dire que c'est bon, on est assez malin. Non, parce qu'il y a toujours plus fou que nous. Donc ça me permet, c'est des piqûres de rappel, où je me dis, bah, il faut que je sois encore plus folle moi aussi, que Nono soit plus fou. Qu'on soit encore plus prévoyant, ouais, et qu'on fasse plus attention. Voilà. Parce que parfois, tu te reposes un peu sur tes acquis, tu te dis non, mais là, tel endroit, il ne peut rien m'arriver, j'ai mon entourage, voilà, etc. Mais les gens, ils tentent quand même. Donc, c'est des piqûres de rappel où je vais encore plus me protéger. Sachez qu'on va encore plus me protéger aussi, parce que je ne suis pas seule, et je sais que beaucoup le savent, et que le reste, on fait confiance à la police aussi, d'un autre côté. Mais c'est incroyable, et faites attention à vous, je vous assure, faites attention à vous. Après, personnellement, tout va bien, hein. Rassurez-vous, hier, en fait, j'étais choquée, j'avais les nerfs et j'étais choquée. Je me suis dit, comment
Moi, je fais attention à tout, je surveille tout le temps la voiture et tout. Je me dis, mais comment c'est possible? Mais au final, bon, tout va bien. On a esquivé du mal, encore une fois. Peut-être qu'il y a un mal qui nous arrivera plus tard aussi, où on devra faire encore plus attention. Mais ça me permet juste à moi de redoubler de vigilance et de me dire, Cam, tu es à l'abri nulle part. Donc, sois toujours sur tes gardes. Limite, continue d'être parano, parce qu'au moins, je suis visionnaire aussi et je suis tellement stressée que j'anticipe plein de choses, des dégâts qui peuvent se passer, vous voyez. Mais bon, voilà, après, franchement, tout va bien, hein, je ne suis pas angoissée ou quoi que ce soit. Et puis même, encore plus, comme je vous ai dit, on va nous protéger. Donc, je me dis que ça va, que j'ai de la chance sur ça. Mais faut toujours se protéger, les gars. Vraiment, il faut faire attention à tout et où que vous soyez, hein, n'importe où, c'est pas qu'ici chez moi, hein, où que vous soyez, faites attention. Faites attention parce que même si on est entouré de 99 personnes gentilles, c'est la méchante qui peut faire des dégâts incroyables. Donc voilà, mais c'était une piqûre de rappel, donc je vais faire encore plus attention et malheureusement faire toujours des stories en dégâts.